Salut, c'est Fit pour Factor News. Aujourd'hui, dont tu connais, on va regarder Lonely Mountains Downhill. Alors, c'est sorti il y a 2 jours, 3 jours. C'est disponible sur Steam, c'est disponible sur le Xbox Game Pass. C'est disponible sur Xbox, sur PlayStation aussi je crois. Sur Switch, je ne suis pas sûr. Si c'est pas le cas, ça devrait peut-être pas trop tarder. Moi en l'occurrence, je l'avais avec le Xbox Game Pass. Donc si vous avez le Xbox Game Pass, c'est gratuit avec. Enfin gratuit, vous avez payé le pass pour, mais du coup vous avez accès au jeu. Alors il y a Outer Worlds qui est sorti hier, mais c'est plus petit. Et ça peut être marrant pour s'amuser par petite période. Donc je vous avais présenté Descenders il y a quelques temps, quelques mois. Donc on est aussi sur un jeu de vélo en descente en plus. Mais la perspective n'est pas la même et du coup ça se joue pas de la même façon. Pour l'instant j'ai une seule montagne, je ne sais pas s'il y a plusieurs montagnes. Voilà, donc même pour cette montagne on voit qu'il y a plusieurs chemins. Donc on a un départ en haut, l'arrivée est tout. Pour l'instant au même endroit, mais il n'y a pas le même chemin. Il y a des checkpoints, on va voir. Ok, on va prendre le premier. Donc on démarre toujours avec... On va faire dans l'ordre, simplement. On démarre avec toujours une phase d'exploration. On voit que là, il y a checkpoint 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai plusieurs vélos, j'en ai débloqué aucun. J'ai le vélo de base qui a ses caractéristiques, la stabilité, agilité, la suspension... La vitesse, choc absorption, j'ai mis, ça permet de sauter de plus ou moins haut, donc le vélo de course forcément n'a aucune absorption de choc dans les suspensions. Celui-là à mon avis on doit pouvoir faire de bons sauts avec. Oh, celui-là aussi. Ok, donc on va rester, de toute façon j'ai pas trop le choix. Au niveau de la customisation, on verra après, je crois qu'on peut changer un peu les couleurs. L'esthétique est très low poly, moi j'aime beaucoup. C'est très épuré, mais ça fait le travail. On a un côté un peu vignette, comme dans le dernier Zelda sur Switch. Link Between Worlds. Ah, non. Le remake de la version Game Boy. Là. Donc, on peut accélérer. Alors, on voit que la caméra n'est pas derrière le personnage, mais légèrement au-dessus. Donc, on ne voit pas. Très loin ce qui se passe. Il y a différentes façons de contrôler le notre vélo puis notre bonhomme dessus. Donc on a relatif à l'écran, ce qui semble le plus simple, ou bien on a relatif au personnage, donc avec gauche droite qui fait tourner à gauche ou à droite. Donc il n'y a pas beaucoup de touches, hein, c'est assez simple à ce niveau là. Accélérer, freiner, tourner, restarter le checkpoint et puis un peu de sprint. Et voilà, on peut choisir en fait si on veut tourner dans le sens ou l'autre. On va rester sur ça par défaut. Donc on a les contrôles qui sont voilà assez simples, un peu à la Trials. Je suis censé aller par là-bas, mais en fait rien m'empêche de me balader un peu où je veux. C'est pas forcément une bonne idée, mais je peux le faire. On constatera qu'il y a beaucoup de shortcuts en fait dans cette montagne. Le problème peut-être c'est qu'on n'a pas de visibilité. Donc là par exemple j'ai trouvé un shortcut. C'est au hasard. Donc, je peux essayer de remonter, je peux pédaler un peu. On va recommencer du début. Donc, si je suis le chemin, là, ici. Hop. Donc rien ne me force à suivre le chemin. Je crois que la seule limitation que j'ai c'est de passer par tous les checkpoints. Donc là je vois que j'aurais pu arriver ici. Ça peut déjà me donner un peu de temps si je suis pressé. Je crois qu'il y a une autre descente ici, donc peut-être que j'aurais pu y aller. Je peux sprinter un peu pour monter mais... Difficile. Donc il n'y a pas de musique.
Voilà, premier checkpoint. C'est très calme comme jeu. Des petits bruits d'ambiance. Yahoo! On va passer par là. Yahoo! On peut freiner donc, ce qui permet de... Hop là, les petits dérapages. Et donc à force de faire les tracés, bah on va découvrir des shortcuts. Shortcuts qui sont pas forcément accessibles avec tous les vélos, donc s'il y a des sauts à faire, il faut que le personnage puisse les amortir. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. Donc la jauge de sprint, on voit qu'elle n'est pas illimitée. Bon, bah, il n'y avait rien ici. Ça ne m'empêche pas de me balader si je veux. Hop là, shortcut à nouveau. Donc on a beau faire de la descente, on a quand même un petit peu de liberté sur le chemin à prendre. C'est peut-être intéressant ça. Donc en général, le premier run, vraiment en exploration, bon, on n'a aucune limite. On peut se viander, scouter autant de fois qu'on veut. Yahoo! Le but c'est juste de prendre son temps pour découvrir cette montagne. Il n'y a pas de carte ici ou de minimap. Alors, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est partie des limitations du jeu, c'est qu'on n'a pas vraiment de visibilité sur ce qu'il y a devant. Donc là, peut-être que je peux aller vers un raccourci ou peut-être que je vais me viander. Je sais pas vraiment. Bon, bah, apparemment, c'était un shortcut. Pas non plus de flèche qui m'indique dans quelle direction aller pour le prochain checkpoint. C'est un petit peu... En fait, faut suivre là où ça descend, mais c'est pas forcément hyper clair. Oh, peut-être ça, on va savoir. Un peu trop là, ouais, un peu trop. Voilà, donc là, je pense que c'est les suspensions qui ont une incidence sur ce que je peux descendre. Voilà. Des petites intermédiaires, je peux tomber plus bas. C'est très joli, je trouve, hein, le décor. Donc c'est épuré avec le côté low poly, mais c'est vraiment joli. En tout cas, du coup, c'est assez lisible. Et là, je vais arriver à la fin du premier parcours. Sprint. Et nous voilà, arrivés. Ok, donc il n'y a pas d'enjeu sur la première. Alors, on peut regarder en... J'ai les montagnes, pour l'instant je n'ai qu'une seule, débloquée. Customisation, de la progression. Alors. Trail, unlock, des chemins, j'en ai débloqué 2 sur 16. Je fais 3 challenges sur 173. Resting place, je ne sais pas ce que c'est. Checkpoint peut-être. Des vélos à débloquer, des peintures et des costumes. Et puis un leaderboard. Avec les temps et tout. Moi j'ai rien là-dedans. Un filtre. Bon, c'est pas très important. Achievement. Des stats. Voilà, je sais pas, je vois énormément. Hein, mais... Je t'ai fait 11 km, pas mal, 4 runs. Alors on va voir la customisation, je peux changer la couleur par vélo. Enfin, j'ai cassé le vélo, j'ai débloqué deux couleurs. Donc bien sûr un beau violet. Hein. Et le rider, alors j'ai des outfits, pour l'instant j'en ai qu'un seul. Je peux changer le casque.
intégrale. Le body, female si on veut. Couleur de peau. Les cheveux. On peut rajouter des queues de cheval ou des couettes. Et la couleur des cheveux, c'est basique, mais. Ok. Première montagne. Donc une fois qu'on a débloqué, qu'on a fini l'explorer, donc c'est vraiment le premier run. Maintenant on a accès. Donc ce qu'on voit là, on a les challenge beginner, expert et free rider, je sais pas ce que c'est. Donc en beginner, voilà, si je finissais en moins de 21 crash, je débloquais le deuxième parcours. Si je suis en moins de 3 minutes, je vais avoir l'outfit cheetah. On va essayer de voir si on y arrive. Ah d'accord, en fait il faut bien choisir un challenge. Comment ça marche? D'accord, j'ai choisi le challenge. En fait, je peux choisir de faire plusieurs challenges en même temps. C'est ce que j'avais fait la première fois, puis j'ai réussi à en faire qu'un sur les deux. On va essayer d'utiliser les shortcuts. Ici. Mauvaise idée. La bonne nouvelle, c'est que là au moins, ça ne coûte rien. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais... C'est potentiellement un shortcut. J'ai 3 minutes pour finir. Non. Ah là là. Alors je sais pas si les temps se cumulent ou si tout le temps que je perds en fait s'ajoute. Et si j'ai juste les sections que je complète tranquillement. Les crash c'est pas important. Okay, on va rajouter ici. Ok. Ok, on y est. Ok. Ouais, ce qui est pas évident, c'est comme j'ai pas, on n'a pas de caméra devant. C'est pas évident de savoir si on va dans la bonne direction ou pas. Là, par contre, j'aurais pu sauter. Mais pas là. Donc ça, après, c'est une question de connaissance du circuit. Il va falloir les rouler un paquet de fois pour connaître, tout simplement. Voilà. Yahoo ! Ça marche pas ça. On va réussir, on va réussir. Je sais même pas si c'est une bonne idée, mais... Je m'entête, je suis un peu têtu. Yes, j'ai passé ça. Ok. C'est pas fini. Ouh. La descente. Ok, mais on va direct au checkpoint. Je pense que c'était pas une mauvaise idée. Allez, on va couper par là. Oups. On va faire attention au caillou. C'est un peu chaud. Mais c'est bon. Ok. J'aurais pu couper là directement. Je le savais pas. Allez, mais j'ai encore un checkpoint. Je suis à une 40. On va sauter là. Non, c'est trop haut. J'allais réussir ici la dernière fois, c'est ça? Ah, je suis sûr que je peux le faire. J'avais réussi tout à l'heure. Comment j'avais fait? Comme ça, c'était ça. Voilà. Ça servira, hop, de la pierre.
Non, c'est pas bon. Voilà. 1h57, ouais, je pense que les 3 minutes ça va être large. On voit là-haut qu'il y a un chemin, donc je sais pas si c'est un autre trail ou si c'est l'heure du premier chemin qu'on peut arriver. Il reste 40 secondes pour finir. Ça va le faire. À l'aise! Ok, donc là apparemment le temps ne se cumule pas. Donc c'est relativement facile. Cool. Donc là j'ai fini tous les beginner challenge. Je peux customiser. Waouh, avec mon cheetah outfit. Chaussettes. Ok, on va prendre ça. Hop là. Donc là j'ai de nouveaux challenges qui sont débloqués. On va juste regarder. Je peux débloquer des pièces de vélo. Oh, je savais pas qu'il y avait ça. Ah si, d'accord, c'est pour débloquer un nouveau vélo. Unlock paint job, best time 2.22, donc en fait le 2.30 c'est possible, mais 2 minutes ou moins. 1.50 ou moins avec moins de 7 crash, donc en fait il y a vraiment... Alors attends, est-ce qu'on voit mon curseur? On voit le curseur. Il y a moyen peut-être qu'ici, là on puisse couper des trucs. Là aussi. Après on voit pas, par exemple je crois que tout à l'heure ce que j'ai fait c'est qu'ici j'ai pris... non c'était là. Ici j'ai sauté le ravin ici, boum, et je suis descendu là. Là j'ai sauté ce truc là, boum. Ici je pense qu'il y a moyen de couper ici peut-être, ou peut-être là. Là peut-être ici. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut couper, mais faut connaître le circuit. Allez, on va jeter les challenges. Le premier ça devrait être faisable. Celui-là, ça va être difficile, là je connais pas assez. Puis le crash c'est jouable. Allez. Là par contre ce qui serait plus malin c'est le temps dans un truc et les crashs dans un autre. Ah bah oui, c'est plus simple ça. Parce qu'avec les crashs je peux aller aussi lentement que je veux. Ça va être relativement facile de faire un run sans crash. Si j'essaie d'aller autant, je vais devoir me cracher un paquet de fois peut-être pour optimiser mes runs. C'est pas forcément évident. Voilà, par exemple ça. Okay. Après, je pense qu'il y a des raccourcis qu'on peut prendre qu'avec certains vélos. Faut des certaines suspensions ou certaines vitesses pour y arriver. On va faire avec ce qu'on a. Pas clairement avec le premier vélo, je pourrais pas tout faire. Là, je peux pas couper. Ah. Ça va être difficile les crashs là. Ah. Ok, on y arrive. Comme on n'est pas en face, au niveau de la perspective, c'est pas toujours évident de savoir si on est bien aligné ou pas. Ça se travaille. Pas de me prendre ce truc. Oh là là, c'est dommage ça. Oh, c'est vraiment difficile ça. Bon, et bah, je pense que le nombre de crash, ce sera pas bon. On va essayer de faire le temps au moins. Voilà. Non, pas voilà du tout.
peut-être par là. Ouais, ah, là c'était mieux. Là j'ai un shortcut par là encore, je pense. Oui. Ouais, c'était pas mal ça. La descente du caillou ici. Voilà. Très bien. Mais là, une 50, je sais pas encore. Pourtant, j'ai beau aller vite. C'est peut-être un autre vélo. Est-ce qu'il y a un shortcut à prendre par là-haut, peut-être? Passer par derrière? Qui sait? Moins de 2 minutes, c'est pas... C'est trop court, hein. Moins de 2,10, c'est déjà ça. Ok, donc là j'ai débloqué une part... Oh, j'ai fait moins de 14 crash quand même. Cool. Ah, ok, sur une section où j'ai perdu un tout petit peu de temps. Deux sections en fait. 2 secondes et demie. Mais sur les autres j'ai gagné, ouais. 5, 2, 1, 2, 3. Intéressant en plus de voir qu'il y a le rang par section. Ok. Là, si je choisis... Voilà, pour avoir accès à ça, apparemment, il faut que j'ai débloqué... Ah non, Pace Breaker Required. D'accord. Donc ça... Ah, ok, c'est par vélo, grâce au Hopper. Ok, donc il y a des challenges qu'on peut faire qu'avec certains vélos, mais il y a des challenges qui sont forcés par vélo. Donc grâce au Hopper, c'est lequel, celui-là? Ah, c'est celui-là. D'accord, donc 2 minutes, c'est avec ce vélo. Le vélo de base. Donc il y a moyen, je pense, de gratter encore les 8 secondes, les 9 secondes qui me manquent. C'est bon à savoir. Intéressant de voir aussi mes meilleurs temps, donc je peux savoir, peut-être avoir une idée de ce que je suis censé faire. Donc ça, voilà, il faut le Pace Breaker pour aller aussi rapidement. C'est bon à savoir. No checkpoint, free rider. Ok, intéressant. Donc là, je peux aller le plus vite possible. Pas obligé de passer par certains checkpoints. D'accord, donc on va prendre le deuxième. Donc la même montagne toujours, mais je prends pas le même chemin, donc je démarre pas au même endroit, donc en fait tout le début ici est totalement différent. Il y a juste la fin en fait qui est en commun. Donc, ça doit être la même montagne en fait, on va pas avoir du tout la même chose. On va refaire l'explorer hein, tranquillement. Donc là il y a 6 checkpoints. Et puis on va voir ce qui se passe. D'accord, donc en fait il faut le deuxième vélo ici pour pouvoir faire l'autre. Change, pourquoi il a un peu moins d'accélération, il est plus agile, un peu moins stable. Ah, il sprint plus, donc il est censé aller plus vite. Made for, alors ça c'est quoi? Good old runner, easy to handle, vélo moyen, facile à manier mais avec une vitesse maximum limitée. Il est pas fait pour les longs détours off-road. On a constaté que, enfin moi je l'ai constaté, lorsque je roule dans l'herbe je perds beaucoup de vitesse. Ça c'est pour faire des virages serrés et des sprints courts. Ok, par contre il faut pas faire de saut, trop de sauts avec, un choc absorption est très bas. Et le terrain rough, c'est le terrain compliqué, rocailleux, terrain rude. Il me faut encore des pièces. Highest speed, bah, meilleure vitesse, accélération. Bah ouais, c'est un vélo de course, mais il n'y a pas de suspension par contre là, donc à mon avis il faut rester collé à la route. Il doit tracer celui-là. Off-road section, ça c'est un vélo d'off-road. Et de descente. Il va pas très vite, mais à mon avis il doit y avoir moyen de prendre un paquet de shortcuts. Et donc ça c'est le vélo off-road quoi. Bon, ça, l'idée je pense avec lui, avec ces deux vélos, c'est vraiment d'ignorer limite la piste et puis de chercher tous les shortcuts possibles et imaginables. Massive suspension, on peut faire des sauts, les sauts qu'on veut, c'est vraiment... Donc me voilà sur mon deuxième circuit. Bon, dès le début je peux aller où je veux. Allez, zou, wahoo. Pas ça. Oh yes! Je peux venir ici, d'accord. Take a break? Oh! Intéressant. Comment ça marche? C'était ça le fameux truc à débloquer?
Ah, vous voyez, là c'est ça ce que je disais avec le problème de perspective. C'est pas très évident de gérer ces sauts. Hein. Take a break, take a kit kat. D'accord. Je sais pas à quoi ça sert. C'est mignon. Je suis un peu têtu. Bon, je m'entête là-dessus, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Oh, bon. Ok, ça m'a mis au premier checkpoint. C'est peut-être, ça a peut-être un intérêt. Donc là, on voit que ça descend de manière assez rude. Là-haut, on a vu une espèce de gars à tremplin. Vous voyez qu'un bon vélo, on doit pouvoir faire de sacrés sauts, là. Ouf. On va juste voir, voilà, c'est ça, yahoo. Intéressant, ça. Wow. Eh, ça a l'air cool, ça. Je sais pas comment t'es censé atterrir, en fait, à la fin de ce machin. Il y a plus de piste. Ouais, je pense que si j'ai une critique à faire, c'est ce problème de perspective lorsqu'on est en l'air. Très difficile de savoir, en fait, où le vélo est orienté. Donc à mon avis, j'ai pas assez de suspension pour ça. Ou alors, je vais essayer de tracer, au contraire. D'aller le plus vite possible. Et fuck it. D'accord. Ouais. Donc là, si j'avais une caméra derrière, bah ça serait beaucoup plus facile de... Bah de timer, enfin de timer... De viser les sauts. Là, je te fais un peu à l'aveugle. Allez. On va laisser tomber ça. Je sens que ce vélo, ça ne semble pas... Ouf. Mais ouais, c'est un point... C'est un point qui peut poser problème. Donc là, je suis en free, hein, heureusement. Il n'y a pas de... J'ai aucune limite ou quoi, mais ça me permet de tester des trucs. Heureusement, j'ai les checkpoints. Donc, si t'es en freeride, t'as un seul run. Ouais, un seul. Donc là, on voit qu'avec cette vitesse, freiner, c'est pas du luxe. Pour rouler dans l'eau? Un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ouais! Oh, shortcut! Hop là! Ok, bon, j'ai trouvé un shortcut. On a un beau saut. Je ne sais pas pourquoi on a des barres noires qui sont apparues. On a un peu cinéma. Soit. Voilà, je me suis pris un arbre, super. Je peux pas vraiment y faire grand chose puisque c'est pas comme si je pouvais le voir en avance. Donc là, j'avoue que j'aimerais bien avoir une option pour avoir une caméra derrière, mais à mon avis, ça serait beaucoup, beaucoup trop simple. Parce que là, la difficulté vient justement du fait qu'on voit pas très loin devant. On voit 10-15 mètres. Des fois la caméra recule, des fois elle recule pas trop. Ça, cette partie-là avec la perspective, c'est pas toujours évident. Voilà, donc là, couper à travers
L'herbe perd beaucoup de vitesse. Avec un bon vélo, je pense que je peux sauter pas mal de choses ici. On voit un tremplin là-haut. Est-ce qu'il y a un shortcut à prendre ? Là. Ah, mon vélo va pas assez vite là en off-road. Yes. Oh, il est trop lent. On va essayer encore. Mais on voit qu'il se traîne dans l'herbe. Normal, il y a de l'herbe. C'est difficile l'herbe. Un vélo qui roule dans l'herbe, ça ne s'est jamais vu. Un VTT qui roule dans l'herbe. Sacrilège. Allez. Donc là, on a une fois un vélo un peu plus d'off-road pour prendre ce genre de... Shortcut, un petit coup de sprint, ça passe. Yes, deuxième coup de sprint, c'est bon. Troisième coup de sprint, allez, c'est bon. Quatrième, yes. Oh, ça, c'est assez fun, ça. Je sais pas si c'est un vrai shortcut. En tout cas, c'est rigolo comme ça. Et là, me revoilà à la fin de tout à l'heure. Je coupe encore. Là, je me suis coûté un paquet de fois. Ok. Donc, trail 2. Challenge. Alors, avec le temps, j'ai de la peinture, montagne et trail. Ok. Alors, les deux en même temps, ça va être un peu compliqué, mais on va essayer quand même. On va tout ajouter, parce que ça coûte rien. J'ai pas l'impression que... Ah d'accord, je peux en choisir que 3 en même temps. D'accord. Ok, bah pour les 3. Si j'arrive à faire en moins de 2,40 ou 2,30, c'est bien. Si j'arrive à faire en moins de crash. Ça va être difficile de faire les deux, hein, j'avoue, mais... On va essayer autant. Et puis ma foi... Sinon j'en ferai un run juste pour les crash. Ouh. Ok, pas mal ça déjà. C'est là. Voilà, si je vais trop vite, je saute. Je me foute, mais... Pour l'instant, c'est pas mal. Ah, dommage. Voilà, on voit rien du tout. Ok, un peu compliqué, mais on a réussi. Donc c'est joli, mais c'est pas toujours très très lisible. Ok, j'arrive au checkpoint bientôt là. Voilà. Bien sûr, prendre le chemin en entier, c'est plus facile. Mon but c'est quand même de gagner du temps, donc faut que je coupe autant que possible. Après faut savoir où aller, hein. C'est pas toujours évident. Ok, I guess. C'est un petit shortcut. Peut-être que je pouvais aller là-bas. J'en ai aucune idée. Ça se trouve c'était un sacré shortcut en fait le machin là-haut. Ouais, je suis arrivé par derrière là-haut. Hop là, je me sens bien. Yes. Oula. Non, dommage. J'ai pas tellement de crash, ça devrait aller. Sauf si je commence à les enchaîner.
sais même pas si c'est plus rapide avec ce vélo de faire ce que je suis en train de faire là. Je suis pas sûr mais... Ouh, c'était juste ça. Ok, jusque là on est bon. Ok. Yes, on se coupe pas avant la ligne, c'est bon. Et là j'arrive à la fin. Petit sprint, ici, hop, on prend la vitesse. Allez, moins de 2,30, ça va être bon. Yes! Et 3 d'un coup. Ok, pas mal. De la peinture. Et crash, donc j'ai débloqué un nouveau chemin et une nouvelle montagne. On va jeter un œil. Yeah! Et puis des challenges en plus, parce que là j'ai réussi tous les beginners d'un coup. Donc les experts. 2,15, là j'ai fait 2,20, ce qui était bien. J'imagine que je peux faire mieux. On a cette boucle là. Hein. J'imagine si je peux, si j'avais un vélo qui peut sauter, je pourrais directement sauter d'ici à là. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Je pense que j'ai gagné pas mal de temps. Bon là sur cette descente, là, si j'avais un beau vélo, je pourrais sauter je pense tout d'un coup ici. Là j'ai fait ça dès le début, hop, ça c'était bien. Ici, boum, je pense qu'il y a peut-être moyen de couper des trucs là. Là donc j'ai pas assez de suspension pour descendre tout ça. Là ça descend tout droit, bon, y a pas grand chose à faire. Ah si, c'est j'ai coupé tout le lac là. Ça c'était bien ça, couper tout le lac, hop, descendre. C'est un peu casse-gueule ici. Là, j'ai la boucle. Ah, ici. Ici, j'ai fait ce grand tour. Non, c'est là. Je sais plus. Il y a un an, j'ai fait un tour alors que j'aurais pu passer par au-dessus. Je crois que c'est ici. Hop. Ah ouais, ça, c'est passé par au-dessus. Hop, ici. Ou c'est là. Non, je crois que c'est... C'est soit là, soit là. Donc là, il y a moyen de gagner du temps encore. Et puis là, voilà. Au lieu de faire les grosses boucles ici, je suis allé tout droit. Boum, boum, boum. Hop, jusqu'ici, ça c'était pas mal. Et... Là, on va faire cette boucle-là, il y a peut-être moyen d'aller tout droit aussi. Donc on a quoi à faire? Moins de 13 crash, c'est jouable. Pff, une 55. 55, peut-être pas avec le vélo de base. Hein. C'est pour ça que ça, c'est avec Grasshopper, 2,15. Là, il n'y a rien d'indiqué. À mon avis, il faut un vélo qui... Il faut un autre vélo pour arriver jusque-là, quoi. Ok, on va pas refaire le même, on va voir une autre. Qu'est-ce qu'il y a comme autre trail? Oh d'accord, on passe pas. Un autre chemin. En fait, ce qu'on va regarder maintenant, c'est la deuxième montagne. Parce que je suis curieux de... Oh, yes. Alors, ce que j'étais curieux de voir, c'est si c'était le même design. Non, alors on a une belle forêt d'automne. La customisation. New paint job, le voodoo. Purple Rain. Ouais, Purple. Bien sûr, Purple. Donc, Redmoor Peak. Je sais pas combien il y a de montagnes. On peut voir, je pense, à la progression. 16 chemins. Si on suppose 4 chemins par montagne, il doit y avoir 4 montagnes. Je suis fort en maths. Ok, intéressant. Donc moi, j'aime beaucoup ce genre de petit jeu, très bonne ambiance. Donc il n'y a pas de musique, on entend juste cette espèce de bruit de la nature, là je trouve ça assez reposant. Donc c'est intéressant d'ailleurs ce contraste entre ce côté très reposant et puis bah, le fait qu'on se crache partout. Donc ça change un petit peu bah, justement de Trials ou Descenders où je crois qu'il y a de la musique qui est assez... C'est la musique à ESPN, c'est très, très jeune, et très, on fait du sport, on est dynamique, tous ces trucs-là. Ça, c'est pas mal d'avoir... Ça, c'est assez reposant. Alors oui, on a des challenges avec du temps. Oh. Mais on pourrait avoir l'impression qu'en fait, on a le temps de faire ce qu'on veut. On va prendre le temps de suivre un petit peu le circuit au début quand même. Parce que si je
commence à prendre des shortcuts alors je connais même pas le circuit. Ok. Il y a plein d'endroits où je peux tourner, je vois. D'accord, donc là j'ai déjà pris un shortcut sans faire exprès. Et si on prend le chemin prévu, ça veut dire que là je peux pas. Ok. Je peux tourner, là. Je suis pas censé tourner. Je suis le grand chemin. Ok, les arbres sont un peu moins... Ils gênent un peu moins la visibilité que les sapins de tout à l'heure. C'est une bonne chose. Un peu. Il y a de rares moments, effectivement, on est un peu embêté, mais ça va, globalement. Oh, la flotte est très chouette. Voilà, quand on a la caméra juste derrière, là, c'est très bien pour les sauts, mais quand on est un petit peu en diagonale, là, c'est un peu difficile. Ah, est-ce que c'est un arbre ou un tronc? À mon avis, on doit pouvoir s'en servir comme shortcut ou ce machin. Ou ça sert peut-être pour un autre chemin. Ah, on monte là? C'est pas banal. Ok, on voit clairement qu'il y a moyen de couper un paquet de trucs. Mais... on va se contenter. Ah, c'est vraiment joli ça. L'ambiance sonore est vraiment très chouette. Pas de musique, mais... on s'y croirait en fait. Des beaux des petits oiseaux. Oh! Bon, là on a vu un paquet de. Un paquet d'endroits où on peut couper. Ah, ah! D'accord, c'était pas ça. C'est la grosse cascade ça qu'on entend, non? Les freins, très important. Hop là. Ça peut être très rapide, mais les circuits sont relativement longs. Enfin, même si on passe que 3-4 minutes, c'est long par rapport à un Trials ou même Descender. Mais... là, on n'a rien de procédural, hein, ces montagnes ont été faites à la main. Du bon travail qui a été fait dessus, je trouve. Très très joli. J'aimais déjà bien la première montagne, mais là, c'est pas mal. J'imagine qu'on aura une montagne enneigée. C'est le classique. Eh. Non? Ah non. C'est dans l'autre sens. Sympa le bruit des. Le bruit de la roue sur les points de bois. Je ne sais plus où je suis. Ah d'accord, j'ai pris un shortcut. Ici. Ah. On va pas prendre le shortcut à nouveau, mais on sait qu'il est là. Des raccourcis, il y en a à foison. Intéressant en fonction du volet qu'on a. Ça là, c'est pas ce grand saut, mais je sais même pas si c'est faisable avec le vélo de course. Hein. Je suis curieux de voir. Parce que si ça se trouve, le vélo de course, on peut pas s'en servir sur tous les chemins du coup. Alors, on n'a pas de temps, mais il faut avouer que ce serait pas mal d'avoir le timer, ne serait-ce que pour avoir une petite idée du temps, ça va. Parce que j'aime bien le fait d'être libre et tout, mais c'est aussi une phase de repérage en fait pour la suite. Et avoir une idée de, ok, là en prenant mon temps et tout, ça m'a pris, je sais pas, 5, 6, 7 minutes, et savoir que, je commence à grappiller. Au final, on peut faire pendant une chaîne. C'est vrai que c'est pas...
très important. Alors, le tracé est relativement clair. Donc est, je dis, il n'y a pas de flèche pour indiquer où aller. Mais de ce que j'ai vu jusqu'à présent, je crois pas que ce soit arrivé une fois que je me suis dit je ne sais pas où je dois aller. Donc, le chemin est relativement facile à suivre. Voilà. Back to ride, c'est-à-dire je peux continuer de rouler. Je peux continuer de rouler. On peut pas reculer, hein. On peut freiner, mais le vélo ça ne recule pas. Ça va prendre un peu de temps. Ça va où ça? Ah, ça semble être la fin d'un autre circuit. Tracé. Ok. Le circuit est assez long. Et là, le challenge, c'est 3 minutes 20. Pour Pace Breaker, Unlock Trail. Donc, Pace Breaker. On va juste regarder un petit peu là. Pace Breaker, c'est 6 pièces. Sur cette première montagne, au niveau des challenges. Là, j'ai pas débloqué de... Là, j'ai débloqué une partie de Pace Breaker tout en haut. En beginner, rien. En expert, back part, c'est bord. Pas là. Et là, je ne sais pas. En fait, le vélo, je ne sais pas à quelle vitesse il se débloque. Ça va être Pace Breaker, j'ai une pièce sur 6. Une pièce sur 6 de bois. Ok, donc c'est même pas nécessairement dans l'ordre qu'on les voit là. Ça risque de prendre peut-être un peu de temps. Ce qui serait bête, c'est si on les débloque. On débloque genre 5 pièces de chaque, et puis d'un seul coup à la fin, il faut arriver en expert pour débloquer tous d'affilée. Ce qui serait plus intéressant, c'est qu'on les débloque un peu au fur et à mesure. Mais bon, je ne sais pas, je ne suis pas encore assez joué. Mais voilà. Bon, bah, on a vu, hein, c'est mignon. On va arrêter là. Parce que... on a vu ce qu'il y avait à voir. Moi, j'aime beaucoup. Ce qui serait pas mal, je pense, c'est avant certains sauts. Alors, si la caméra, on va pas la passer derrière parce que ça rend le truc trop facile. Mais faudrait peut-être qu'il y ait un guide, je sais pas moi, un trait, une ligne qui indique ok t'es ici, t'es à cet endroit là, t'es en train de sauter et tu vas arriver à tel endroit. Parce que c'est pas évident de gérer ce. Après je pense que c'est une question d'habitude aussi. Forcément, quand on a joué 20 minutes, c'est pas évident. C'est comme Trial, une fois qu'on aura enchaîné des heures dessus, ça sera une seconde nature. C'est très bien d'avoir le choix ici pour les contrôles. Les options, d'accord, on a le. Ok, les vitesses en. Hein. Les distances en métrique en impérial, le sang quand on se croûte, résolution, il n'y a pas des masses de trucs, mais ça suffit. Là, je crois qu'on a tout à fond. Voilà. C'est beau, j'aime bien, c'est clean, mais c'est beau. Je crois qu'on voit en live ce que ça change. Non, pas ça. Voilà, les ombres. Alors, je sais pas si le jeu est gourmand, j'ai une machine qui est plutôt correcte. Ça tourne au poil chez moi. Les particules, je ne sais pas. Ah, c'est peut-être les feuilles. Lumière volumétrique. Et j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ne changent pas en live aussi. Un ISO. Voilà, Depth of Field. Je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas ça. Ouais, j'aime bien, ça fait cet effet vignette là, le focus est sur ce qu'on a devant. Et les contrôles, on peut jouer à la souris d'ailleurs, tiens, c'était peut-être même assez facile je pense. Si on demande simplement au vélo de suivre le curseur. Button based, steering, clavier. Aucune idée, moi je joue à la manette, ça marche bien.
La souris, ça doit être pas mal, je pense. Le screen bait, c'est ce que je fais. En gros, bon, le curseur, je le mets dans la direction de l'écran, vers la gauche, vers la droite ou en bas de l'écran. Pour certaines personnes, c'est assez intuitif. Quand on a l'habitude de jouer à des jeux comme ça, par contre, je pense que le left right classique, c'est assez. Ça peut être peut-être plus intuitif. Donc on tourne à gauche ou à droite en fonction de l'orientation du vélo. Bah, je sais pas. C'est genre testé bien même en version inversée. Pourquoi pas. Et voilà. C'est solo, par contre, uniquement. Différents profils. Ok, ça c'est pas nécessaire. On va toucher à rien. Voilà, on va arrêter. Merci et au revoir.